Bienvenue à nouveau dans ce magnifique setup Lego. Nous allons continuer notre belle DeLorean. Regardez cette merveille. C'est la voiture pour les jeunes qui nous suivent. De retour vers le futur. Pour le moment, on en est rendu là. On a extrêmement avancé la dernière fois. Et en gros, c'est ça qu'on est en train de faire. Et on en est, je sais plus trop où. Chat, quelqu'un se rappelle où on en est ou pas en fait? Ça, on l'a fait la fois dernière. C'était les portes papillons. Ça, on l'a fait également. Ça, on l'a fait, ce sont les antennes. Est-ce que j'avais pas fait un pli des fois? Et si, voilà. Donc, on en est au sachet numéro 10. Sachet numéro 10, chat. Sachet numéro 10, et regardez. En fait, en vrai de vrai, il nous reste pas tant. Hein. Moi, dans ma tête, il restait la moitié, mais pas du tout. Il a même pas mis de marque-page. Eh ben, regarde, j'ai fait encore mieux, mademoiselle Emma. J'ai fait encore mieux. J'ai plié le truc. Attends. Tu vois, Emma? J'ai plié le merdier. Donc, c'est bon. Et du coup, on est dixième sachet. Et je pense que je vais finir vite, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, Emma? Qu'est-ce qui se passe? Dixième sachet, on est rendu là. Et en fait, il y a 12, 13 sachets, donc on va avoir fini très vite. Hein. Je pense qu'il y a un monde où on a le temps de faire du speedrun et tout. Hein. Fais pas ça avec tes vrais livres, sinon je te marave. Je fais ça avec mes vrais livres, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Je corne tout, moi. Je corne tout, même les gazelles. Vous l'avez ou quoi? Les cornes de gazelle. Banger, banger. Alerte banger, la team. Pourquoi vous mettez chapeau-chapeau? Je comprends pas. Normalement, c'est qu'on avait dit qu'on faisait chapeau-chapeau que si les vannes, elles étaient nulles. Et là, j'ai fait que des vannes de fou. Oh, merde. Ok, ok, ok. Il va mal finir, ce Arnaud. Les gars, chez nous, on corne les pages. C'est tout, c'est ma famille, c'est mon éducation. Je vous explique pourquoi. Vos marque-pages, c'est de la merde. Déjà, parce que ça marque quoi? Ça marque une page. Mais ça marque pas l'instant. Ça marque pas ce qui nous intéresse vraiment. Moi, ce qui m'intéresse quand je corne une page, c'est qu'à la pointe, elle montre un mot intéressant. Une phrase marquante. Quelque chose que, quand je reprends un livre dans une armoire, je peux aller directement à ma citation préférée sans me prendre la tête. Et ouais, les gars, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui! C'est toute une philosophie, le cornage. Exactement, mais ils comprennent pas. Tu vois, là, si ça, c'était important, j'aurais corné la page jusqu'à l'endroit. Et quand j'ouvre mon livre, j'ouvre et je suis direct sur le mot-clé. Je suis en mode, putain, mais oui, c'est ça, mon truc. Bah, tu prends des post-it. Bah, non. Bah, non. Je corne la page. Le livre, je le fais vivre. Il est fait pour ça, le livre. Il est pas fait pour rester posé en haut d'un truc, à jamais bouger de sa vie, à jamais évoluer. Moi, mes livres, ils évoluent avec moi, ils grandissent avec moi. Ils s'abîment avec moi, ils vivent. Parce que le temps abîme. Ça abîme le livre. Mais oui, mais la vie abîme. La vie abîme, Matou. Prends du recul. La vie abîme. Il y a un début et il y a une fin. Et pour un livre aussi. Il traverse le temps comme moi, le livre. C'est normal qu'il prenne de la bouteille. Enfin, bref. C'est pas grave, vous comprenez pas. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes trop jeune. Ça fait réfléchir. Réel. Merci, Lisa. Merci beaucoup. Tu prends ce sujet très à cœur. C'est normal, c'est un truc qui se défend dans ma famille. Mon arrière-arrière-grand-mère, sur son lit de mort, elle a dit à ma mère, en lui prenant la main, « Continue de corner les pages pour la famille. » Hop là. Et depuis, ça perdure, perdure, perdure. Merci, Jekyll. Merci beaucoup pour ce sub. C'est beau. Ah ouais, c'est magnifique, les gars, mais bref. Bref, bref. Oh, mais j'ai 4 bandes. Mais ça sort d'où, ça? Il me faut des recettes que j'ai pas. OMG, chat. On va utiliser des ça. 4 ça. Ah ben voilà, j'en ai eu 4. Mais ça, c'est quoi ça? Quelqu'un arrive à comprendre? Aucune idée de ce que c'est, ce truc.
pardon. Je sais pas ce que c'est. L'inca, t'es où? Il y a l'event amour sucré, tu rates. Non, non, me dites pas que c'était aujourd'hui. Je suis en train de rater l'event amour sucré. Non. Non. Par pitié, vous pourrez me raconter des coloriages que je loupe. La vie m'abîme un peu trop ces derniers temps. Ça allège la tête de venir voir tes lives, Arnaud, et de vous lire le chat. Merci de m'aider à changer les idées. Courage à toi, la vie est une pute, n'oublie jamais. C'est aussi beau que douloureux la vie, tu sais. C'est normal de passer par des moments difficiles. Il faut pas... Il faut pas subir sa vie. Il faut pas subir sa vie, tu vois, il faut juste profiter du chemin, tu vois ce que je veux te dire. À méditer, quoi, en gros. Il faut pas... voilà. En gros, moi, je trouve. Enfin, bref. À méditer. Du coup, il me faut deux couilles bleues. Hop. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, ça. Un truc à pointu. Et j'ai que des pièces, là, que j'ai jamais vues. On les a jamais utilisées, celles-là. Jamais, jamais. Un... C'est rose ou c'est... Non, c'est bleu, ça. Et un truc tout plat, tout bleu. Là, il n'y en a pas. Et ben hop, fin du Lego. Attends, mais mec, elle n'existe pas, cette pièce. Ah, si. Vous pensez que... Si, oui, ça, c'est ça. Je pense que c'est bon. À méditer, à décrypter. Mais en gros, ouais, la vie, voilà, quoi. Vous trouvez pas, la team? Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Faut mettre mon truc dessus. Ça c'est... Mais le cadrage, il est comme d'hab ou pas là? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé avec la cam. C'est dans ma tête ou... Genre, vous êtes bien la chat? Je me rends pas compte, c'est comme d'hab. On te voit. Bon bah écoute, si on me voit, c'est le principal j'imagine. Après je dois prendre ça et mettre les trucs bleus dans les côtés. Pencher vers le bas. Donc comme ça et comme ça. Et donc ça, c'est un truc qui va à l'arrière et qui s'emboîte ici. Je sais pas trop si vous voyez à la cam. Il y a un petit truc qui dépasse là. Le fou là. Et ça, c'est au-dessus, devant les crochets. Donc comme ça. Ok. Bah c'était du rapide. Du très rapide même. Je sais pas si je mets le livre ici ou la voiture ici. Putain, j'ai l'impression de manquer de place. Merci Alissana, merci beaucoup. Merci mille fois. Comment elle s'appelle cette voiture? Vega Missile. C'est la Vega Missile. Il est plus décalé que d'habitude. On voit moins le stream deck et la souris. D'habitude, on voit moins le stream deck et la souris. On est d'accord, il y a un truc que j'ai... Ah mais en fait, c'est juste moi qui ai bougé. Mais non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc qui a changé, mais je l'explique pas, genre. J'en sais rien. Vire les stream deck. Bah je peux pas. Je peux pas, Vince. C'est mon setup, quoi. C'est ancré là pour toujours. Mais attends, mais ça servait à rien, en fait. Pourquoi ils m'ont dit de les prendre? Ouais, ils l'ont pas installé. Mais attends, mais d'habitude, ils disent pas... Je pense que c'est utilisé plus tard. Peut-être qu'il faut juste les laisser sur le côté et s'en servir par la suite, genre. Pas grave, on voit bien. Bon, bah tant mieux si vous voyez bien. Là, du coup, on tourne et on continue. Et là, il va falloir commencer à faire des trucs qui ont des formes vraiment bizarres. Hein. Je sais même pas ce que c'est censé être, le truc. Là, je crois que c'est une portière. Mais je suis pas sûr du tout. On voit pas tout le livre. Enfin, ça, on voit jamais tout le livre. En général, je fais comme ça. Et après, je bouge les trucs, la voiture d'un côté, puis de l'autre. Mais c'est pas très pratique, vu que là, je fais des trucs minutieux. Des trucs plutôt petits. Je vais comment? En fait, je me demande si d'habitude, ça, c'est pas penché. Bon, c'est pas grave. Vu que c'est assez minutieux, je vais laisser en dézoomer et faire les petits trucs. Et puis, vous allez voir un peu le truc se faire au global. J'ai du mal à expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense.
Ok, donc. C'est vraiment des trucs. C'est rikiki, quoi. Bon, là, j'ai ça à faire. Après, il faut rajouter une plaque noire dessus. Ça, c'est celle-ci qu'il faut mettre dans la longueur. Là, après, tu ajoutes une grande barre grise. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Ça doit être L. Et il faut le caler tout en haut du truc. Donc. Ah non, pas du tout. J'ai fait de la merde. Déjà, ça commence bien. Comment je sépare déjà? J'ai peur de le casser. Ah, ok, c'est bon. Bon, bah, faut refaire ma bêtise. Voilà. Et en fait, c'est en dessous ici qu'il faut le mettre. Donc, ça fait ça. Après, j'aurais peut-être enlevé ma casquette, non? Ah, mais non, mais je suis con! On fait des Legos, je dois me mettre en mode jeune. Comme ça, vous voyez bien mon beau minois. J'adore cette voiture, j'ai hésité à l'acheter grâce à ta vidéo, je vais me laisser tenter. Bah franchement, ça fait une belle déco. Moi, j'en ai des Legos chez moi que j'ai monté en live. Franchement, après, une fois que tu les as fait, ça bouge pas, tu sais. Donc c'est un truc, si ça te fait plaisir, même si c'est un peu cher, bah ça te fait un truc que tu garderas en déco super longtemps. Du coup, là, il me faut deux petits trucs gris. Putain, les gars, c'est que des petits trucs. C'est vraiment que des mini trucs là, c'est une galère. Donc il me faut ça une fois. Un truc de 3. Donc c'est ça. Un truc de 2. Les gars, j'ai des pièces. J'ai déjà des pièces qui me manquent et tout, j'ai l'impression. Enfin, elles doivent pas me manquer, mais je dois juste pas les voir, j'imagine. Oh, c'est ça. Ah non. Bah, fin du live. Fin du live chat. 1, 2. Chat, je ne vois pas la pièce. Je viens de commencer, je ne vois pas la pièce. Je la vois pas. Il me faut un truc de 2 comme ça. Genre ça, mais en 2. Aucune idée d'où c'est. Et deux petites pentes comme ça, j'ai pas vu non plus. Après, c'est toujours comme ça, le début, tu vois rien, et plus tu utilises de pièces, plus c'est facile de repérer les autres. Mais là, les gars, je les vois même pas. Dans un petit sachet. Bah justement, j'ai ouvert tout et j'ai tout... Ah putain! Mais non, c'est pas la bonne couleur. C'est pas possible. Ah! Yes! Ok. Ça, c'est bon, et après, il me faut deux petites pentes. Ok, une, je vais y arriver. Un jour. Let's go! 1 heure et demie! Ça met bien. Ok, donc ça, on le met ici, en dessous. GG, merci la team. Merci, ça me touche beaucoup. Ok, ça, après, on le met vers le haut, comme ça. La mise au point, elle doit galérer, je pense, parce que je suis dézoomé de fou. Ok, après tu mets le 3 et le 2. Le 2 en dessous. Et après tu passes à l'étape d'après. Hop. La mise au point, c'est la galère de fou. Donc là, j'ai mon truc comme ça, il faut que je recouvre. J'ai un truc qui fait un genre d'angle. Donc c'est ça, je crois. Il faut mettre partie plate vers le haut, ici. Après, un truc lisse de 2. Mais les gars, c'est. Il n'y a que des petites pièces là. Putain. C'est du brillant, c'est du. Même pas. C'est trop. C'est la galère, la vache. Ok. Un petit truc plat en haut. Merci Emma, merci beaucoup. Oh non, j'ai pété mon truc. Ok, c'est plus de peur que de mal. Là, un truc de 2 comme ça. J'ai l'impression qu'on va mettre 12 ans. Truc de 2 pour bloquer du coup ce que je viens de faire, j'imagine. Et après, c'est 3 trucs de 1 qui vont à la suite de celui-là. Et ça devrait tomber pile poil au bout. Hop et hop.
Ok, nice. Donc ça, on l'a fait. Je sens qu'il va falloir le faire deux fois, cette étape. J'ai vraiment l'impression. Donc ça, j'ai ça. Après, il me faut les petites pièces noires ici. Mais c'est vrai que d'habitude, on voyait mieux les pièces, j'ai l'impression. De toute façon, j'aurais pu peut-être tester un autre objectif pour qu'on voit un peu mieux. Ou alors, je mets la DeLorean. Ah non, mais attends, mais c'est ça que je devrais faire, en fait. Attends, j'ai peur de la porter et de faire n'importe quoi. Je vais mettre plutôt les pièces là-haut, je pense. Comme ça, en plus de ça, vous pouvez m'aider à les trouver si jamais je suis vraiment en galère et que je vois rien. Ce qui peut être appréciable. Et la voiture, je vais la mettre sur le côté. Comme ça, on fait étape par étape. Je pense que c'est un peu mieux de faire comme ça. Tu te prends trop la tête de cadrer bien. Mais je sais pas, même moi, je galère à voir les trucs. Donc je me dis que pour vous, ça doit pas être terrible, terrible, quoi. Imagine, tu l'as fait tomber. Franchement, je m'en voudrais, là. Honnêtement, je serais vraiment dégue. Vraiment, vraiment dégoûté. Là, il y a un truc noir de 2 à mettre. Il y a un truc noir de 4. Putain, mais les gars, les pièces. Ok, c'est ça. Et un truc comme ça. Donc, eux deux, on les superpose. Et le petit truc noir, je le mets au bout, au-dessus. Et on va le caler. Là-haut, avec ça sur l'extérieur. Oh, ok. Ça prend son temps. Après, il faut retourner le truc et mettre un petit point blanc ici, tout en bas. Regardez, en vrai de vrai, je pense qu'on va finir beaucoup plus vite qu'on le pense. Parce que là, je fais que. Enfin, les pages, elles défilent assez vite. Après, ça reste des petites pièces quand même. Mais j'ai l'impression que ça avance bien. Il faut un petit truc avec une pince au bout. J'ai l'impression de manquer de place et tout. Petit truc avec une pince, donc c'est ça. On le met sous le truc blanc. Et après, on cale ça entre les deux. Donc comme ça. Ça va, Lanka? Ça va, je galère. Je galère un petit peu à faire mon assemblage parce que c'est très petit. Mais on va s'en sortir. Ok, ça après, il me refaut un truc comme ça. Il me faut une espèce de grande pièce noire, donc c'est celle-ci. Donc ça. Je mets ça. Non. Ah si, c'est ça. Ici. Ok. Et ça, on la met où? Je comprends pas. Ah, en dessous là, je crois. Ouais, c'est ça. Ce son, je l'aime trop, hein. On est tombé dessus l'autre fois en tapant playlist pour pleurer. En tapant musique qui font pleurer sur Minecraft, je vous jure, je la kiffe, elle est trop bien, je trouve. Elle est vraiment, vraiment trop cool. Musique qui fait pleurer, vous voyez comme quoi on a des bonnes surprises même en tapant des trucs de merde. Donc ça, c'est bon, je crois. Et là, il y a un gros assemblage à faire encore. Donc une grande barre. Une barre de 4 noires. Ok, un truc avec une forme chelou, tordue. Ça, on devrait le voir facilement quand même. Ben, c'est où cette pièce? Ah, c'est ça. Ah, mais putain, c'est une pièce qui se. Je sais pas si vous voyez à la cam. C'est une pièce qui se. Comment? Ah, si vous voyez du coup. Qui est amovible, ou je sais plus comment on dit. Qui est mobile. Je sais plus ce que c'est le nom, le mot. Ok, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ici. Après, il y a 5 rebords petits, enfin grands. 1, 2, 3. Un jour, Linka a dit un jour, Thomas éclabousse-nous. Quoi? Quoi? Comment ça, j'ai dit ça? Dans quel cas, dans quel. Comment ça, en gros? Je vois pas dans quel cas de figure j'aurais pu dire ça pour le coup. Ou peut-être qu'il nous a éclaboussé de sub, j'en sais rien. Je sais pas. Pourquoi j'ai dit à Thomas de nous éclaboussi? Éclaboussi. Les gars, c'est pas de ma faute. J'ai le nez bouché, je suis plus maître de moi-même. De nous éclaboussi. Pourquoi j'aurais dit ça? Ça n'a pas de sens. J'en perds mon latin. Donc ça c'est bon. Ça à 2.
Et ça à 2 avec ouverture par au-dessus. J'en perds mon latin pour de vrai. Ok, donc ça c'est là. Tout me fait chier là. Tout est trop petit. Ok, ça. Ça va au-dessus jusqu'au bout. Et après, il y a le petit truc avec le crochet vers l'extérieur. Comme ça, ok. Le petit ici. Et après, tous à la suite avec un qui devrait dépasser de 1 vers l'extérieur. On va s'en sortir, hein. Les fameux doigts de camionneur. En vrai, j'ai pas des doigts de camionneur, moi. J'ai des petites mains de petite princesse. J'ai des mains toutes fines. Enfin, assez fines. Et j'ai les plus grandes mains que j'ai jamais vues. Dites-vous, peut-être qu'on dirait pas comme ça. Sachez que j'ai jamais vu personne sur la planète Terre qui a des mains plus longues, plus grandes que les miennes. Et je vous jure, je troll pas. Hein. Mec, même des potes hyper grands, Actuan, etc., etc., j'ai les mains plus grandes que tout le monde. Jamais vu personne qui me bat en taille de main. J'ai des mains. Non, même pas parce qu'elles sont pas si... elles sont pas si épaisses, tu vois. Mais en longueur, personne n'a jamais battu ma taille de main. Personne, personne. Mesure, on veut des chiffres. Tu crois que ça marche avec le truc de... avec le truc de l'iPhone? Attends. Mesure iPhone. Ok, je vais te dire. Avec le truc de l'iPhone. Mais je pense... je pense que ça marche pas, il me dit 31 cm. C'est de la merde, iPhone. cm. La main de Drake. On saura jamais, il me faudra un truc. Mais en vrai de vrai, voilà, sachez que j'ai personne... personne que je connais a des mains plus longues que les miennes. Personne, personne. Ok, alors attends. Il faut que je prenne ça. Je prends ça. Je mets le truc qui dépasse au bout du truc ici. Ok. Oh non. Coucou mon cœur. Voilà, c'est ça en gros le truc. Bah c'est bon. J'ai fait ma pièce. Croco, pourquoi tu fais le gars mignon alors que hier tu m'as insulté par message pour rien? Ça me... sache que ça me déplaît fortement. Tes petites manières. Très fortement. Je m'entraîne pour une relation toxique. Merci Chris pour les 21 mois. Mais tu sais qu'être toxique dans la vie, ça n'a, c'est pas un truc positif. Croco, parce que je sais que t'as des petits problèmes niveau social et tout ça, t'as pas les mêmes codes que tout le monde. Du coup, je t'informe, c'est pas... si, c'est stylé, on m'a dit. Non, c'est quelqu'un qui joue Amour Sucré qui t'a dit ça, je pense. C'est quelqu'un qui aime Castiel. Moi, je te recommande plutôt de répandre de l'amour. Genre là, par exemple, offrir genre 50 subs. Ça, c'est être vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien, même. Pas vrai, la team. C'est réel. De toute façon, ta toxicité n'aura pas raison de notre bonne humeur. Parce que là, on est posé en détente en train de faire des petits Legos. Non, ça, c'est d'être riche. Non, une fois de plus, t'as pas les vrais codes sociaux, Croco. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, ça m'étonne pas que tu sois radin. C'est toujours le cas des multimillionnaires. Le mec, on rappelle quand même, hein, il a un jeu vidéo à grand succès. À très grand succès. Du nom de Spam. Et non, il veut garder toute la thune pour lui. Non, il veut tout pour lui, monsieur. Eh ben super, le gros rat. L'énorme rat. Sache, Croco, que j'ai vu ton entraînement hier. Je suis resté sur ton live tout du long pendant que je jouais à League of Legends. J'ai vu tout ton entraînement. Ok? Notamment celui sur PUBG. Moi, je te conseille de t'investir sur d'autres jeux.
Ne perds pas ton temps sur PUBG, je pense. Je suis pas mal, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, je pense. Il loupait des bots immobiles. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est pas du troll, hein. Il loupait vraiment des bots qui ne bougeaient pas. Il tirait dans le ciel et tout, genre, j'ai jamais vu ça. Lunaire. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est ça qui est fou, genre. C'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est vrai. Le premier tir, c'était le meilleur de tous. Celui quand il était au truc d'entraînement, là, qu'il a fait une salve. Il a tiré tout dans le ciel et il a dit « Oh la vache, il y a beaucoup de rucs !» Je vous jure que son perso, il a fait... Il regardait le nuage comme ça, il a fait « Putain, il y a beaucoup de recul, c'est quoi ce bordel ?» Il pue la merde. T'aurais dû me dire, en plus, je t'aurais formé, j'étais classé sur ce jeu de merde. Jeu de merde qu'ils ont laissé tomber. J'ai eu un niveau de fou. Mais bon, c'est pas grave. Visiblement, tu voulais apprendre tout seul comme un gros nulos. Plutôt que faire un jeu avec ton copain. Pas grave, ainsi soit-il, hein. Ainsi soit-il. Bon, après, j'avoue, c'est un vilain mensonge, en vrai. Là où j'aurais pu t'entraîner, c'est sur H1Z1. Hein. Ça, 1-2, 1-2. Une grosse courbe. Un truc comme ça. Un petit point transparent, putain, on comprend rien là. Il y a trop de petits trucs partout. J'ai l'impression que je vais faire n'importe quoi. Je savais même pas. H1Z1, mais j'étais royalty. Le plus haut rang. Le plus haut rang outan. Petite vanne. J'espère que t'as kiffé. En fait, c'était un petit carré brillant là qu'il fallait, merde. Elle était pas mal, non, en vrai, la blague. Putain. J'ai fait une connerie, mais je n'arrive plus à l'enlever, genre. Moi, je pense que ça change rien, voilà. Hop. Je pense que ça changera... Non, mais vas-y, je peux pas faire... Je vais faire ce qu'ils disent. Oh, non, là, là. Les gars, comment je fais quand j'ai mis des pièces et que je n'arrive plus à les enlever pour toujours? S'il vous plaît. J'étais pas concentré et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Je fais de la merde. Outil orange. Je veux pas en arriver à des extrêmes pareils. Parce que là, c'est les pièces qui brillent, tu sais. C'est genre, j'ai peur de les rayer. Y a pas le truc orange. Mais si. Mais j'ai peur de rayer, les gars. Mais attends, mais là, je suis en train d'arriver à enlever. Petit à petit, je galère un peu et je me fais mal aux doigts, mais... Ok, nice. C'est bon. Ok, et ok, ça c'est good, et là du coup en fait il fallait mettre le petit en premier, c'est ça mon énorme erreur, du jamais vu en termes d'erreur. Ah mais putain, mais attends, mais là il y a des problèmes, hein, ça sort d'où ça? Mais les gars, j'ai déplié une pièce, ça sort de nulle part là. Je pense que j'ai vraiment fait de la merde, chat. Mais ça sort d'où, ça? Chat, attendez, j'ai fait de la merde, mais j'arrive pas à comprendre comment. Là, j'ai un truc de 2 plus un truc de 1. Ils sont dessus. C'est bon. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu, sérieux? Ok, c'est bon. Désolé, j'avais besoin de me concentrer pour démêler le truc dans le merdier dans ma tête, là. Ça va là. Ça va là. L'une des meilleures activités. Ok. Ok, et en fait, le petit truc, il va en dessous, ici. Il faut plus jamais que je parle. Enfin, que je parle en même temps que mon merdier. Là, c'est bon. Et là, il me manque un petit cache. Gris brillant. Je l'avais ou pas?
J'ai peur de l'avoir perdu en... Déjà 4 ans. En étant concentré sur autre like chose. Love. Merci Kylian, merci Jules, c'est gentil. 4 ans. Jules. 4 ans, ça commence à être du sérieux. Hein. Merci mon Jules pour les 4 ans de soutien. C'est beau. Ça fait vraiment plaisir. Merci mille fois. Je crois que j'ai réussi à rattraper mes erreurs. On est d'accord, chat, ça ressemble. Enfin, je vous montre la pièce, après je vous montre le truc, mais... Et là, je devais faire ça. Faites analyse. Ça a la même gueule, là, en vrai, vu d'au-dessus, non? Je pense que oui. Une vraie relation qui dure. En vrai de vrai, c'est beau, hein. C'est très très beau. 4 ans de relation. Magnifique, ça a l'air propre, je pense aussi. Putain, il va falloir le refaire, j'avais raison. C'est pour l'arrière de la voiture, fais chier. J'ai pas envie de refaire ça, c'était relou à faire. En gros, c'est un genre de, je sais pas comment dire, arceau de sécurité de l'arrière du véhicule. Et il y a marqué clic clic, mais je dois le cliquer où? Ah putain, là, ok. Et donc c'est penché vers le bas, ok, alors là... J'ai pas eu un clic. Ça a fait aucun clic. Il y a marqué clic, 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 clac, clac, clic, clic. Carrément, il y a marqué dans toutes les langues de la planète. J'ai eu aucun clic. Ben ça clique pas. Mais comment je fais pour cliquer ça? Oh, ok. Il fallait y aller franco de port, comme on dit. Oh putain. Ok, c'est bon, ça clique, clique. Chat. Voyez plutôt, la pièce est parfaitement intégrée ici même. Très beau. Cliquez ça, j'y ai pensé. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal parce que j'y ai pensé. Bon, bah, il va falloir que je refasse pareil pour l'autre côté, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai failli arracher les porte-papillons de mon merdier. Ok. On est reparti. J'ai pas envie de refaire. Ça, c'est un peu le truc chiant du Lego. C'est quand on te demande de refaire. Genre, t'as mis une demi-heure à faire un truc et tu tournes la page, on te dit de refaire tout pareil de l'autre côté. Oh, attends. Attends, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire pareil de l'autre côté. OMG ? Chat ? Ok, bon, j'ai rien dit, et il faut faire pareil de l'autre côté. Vu que t'as déjà fait une fois, t'as capté le truc maintenant. C'est vrai, mais le truc, c'est que j'ai eu du mal à trouver les pièces. Après, là, il y en a moins, donc je vais avoir moins de mal à trouver. Au Québec, il est 10h48 présentement. Tu sais que quand je voulais aller vivre au Canada avec ma meuf, bah après il y a eu le confinement et tout, on n'a pas pu. Mais c'était une des raisons qui me motivait. C'est que je pouvais streamer le soir en France, en bossant l'après-midi au Québec. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais que c'était trop broken. Genre tu peux avoir une vie sociale et streamer sur les horaires françaises parfaites. C'était le combo gagnant pour moi. Ça me motivait de fou. Pièce bleue avec un bord. Putain, mais celle-là, je l'ai même pas vue, genre. Ah, c'est peut-être ça. C'est pas vraiment bleu. C'est bleu, ça? Non, c'est gris. Non, mais si, ça doit être ça. Non, je pense que c'est ça. Merci Basse, merci beaucoup, c'est gentil. Merci poulet. Non mais si, ça a l'air d'être ça. Hein. Il faut mettre au-dessus comme ça. Ok, le truc transparent à côté. Après, le truc gris. Brillant. Au-dessus. Bonjour, enfin je suis sub. Merci Swelton, merci beaucoup.
Ok, et après j'ai deux trucs bleus à mettre encore au-dessus. Donc ça, je crois. Yes, c'est ça. Ok. Et du coup, ça, il faut que je le cale au-dessus de ma voiture. Je vois pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Je vous montrerai après. Genre, en gros, j'ai rajouté une pièce là. Ah, c'est pour faire la continuité, en gros, de ça, je pense. Et c'est dommage, il y a des pièces rayées, ça me fait un peu chier, genre... là, c'est pas parfait, quoi. Mais ouais, du coup, ça fait un genre de... d'arceau complété, on va dire. Merci, merci, pour le Prime. Vous voulez pas avoir des pseudos normaux? Ah, putain, et ça sert à ça, après, regardez. En gros, là, je dois passer une tige en plastique qui va ici, qui doit passer ensuite... Oh, mais attends, mais c'est la misère, ça, à faire. Donc je la passe ici. Elle va s'ancrer dans le bidule du dessus. Et après elle doit courir sur le côté. Passer ici. Passer en dessous de ça. Et aller se fixer ici sur le côté. Ok. Ah c'est genre des faux fils électriques en fait. Ça là. Wow, les merci Loan, merci beaucoup. Merci pour tes likes. Je pense que oui. Et après, il faut faire pareil, sauf que ça part d'ici. En vrai, c'est des trucs un peu bêtes. Mais j'avoue que ça donne un détail appréciable, ça, pour le coup. Ok, et après, tu le cales là-dedans. Let's go. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'avais un câble électrique qui faisait le tour de ta bagnole. Je sais pas si on se rend trop compte à l'image. Mais ça fait un détail assez sympa, honnêtement. Juste celui-là, je me demande s'il doit pas passer comme ça. En dessous et devant ça. Ok. Putain, mais il tient pas là. Peut-être que ça tiendra mieux quand j'aurai calé mes trucs ensuite. Ok. Bon, voilà, en gros. Cali de fou, ouais, ça fait vraiment un petit détail sympa, ça, pour le coup. Et ça, ouais, du coup, là, je vais reproduire le truc. Refaire exactement pareil pour l'autre côté. Et ensuite, mettre le même câble... Bah à l'opposé quoi, j'imagine. Ah, j'ai pas encore fini ce côté là. Ah, ok. En gros, ça va cacher. Genre, je dois avoir une courbe argentée, j'imagine. Là, voilà. Et elle va venir cacher ici. Genre, bloquer le câble électrique. Et faire le raccord, vous avez vu ou pas? Ça finit de ouf la pièce là, genre c'est vraiment cool ça. Du coup ça fait un seul truc unique, et le câble il passe juste derrière. C'est propre, ouais, ça fait vraiment fini quoi. Ça fait chouette. Et là après j'ai quatre trucs un petit en poisson, métal à c'est empiler mieux les uns aux autres. Enfin, j'ai quatre trucs métalliques plutôt, pas en métal. Un bidule à foutre au fond. Hop. Ça après il m'en faut 4 les uns au-dessus des autres. On dirait que je suis en train de faire une genre d'antenne, j'ai l'impression. Et ça va se caler en dessous. Ici. Je sais pas trop si vous allez voir. Et en fait c'est genre un... Ah et ça cache l'endroit où tu cales le câble. On dirait qu'il passe dedans. Putain c'est stylé en vrai. Hein. Le détail que ça apporte. C'est vraiment vraiment cool. Ça avance de fou, ouais, tranquillement. Merci même, merci beaucoup pour ce beau faire à Ty Cry. Thank you very much. J'aime trop cette musique, elle est trop belle. Alors, 4. 1. Et là, on refait le truc de tout à l'heure, donc. T'aimes ou t'aimes pas l'attaque des titans, c'est quand même difficile de détester les OST, honnêtement. Il y a tellement de bangers, c'est un truc de fou. 4. Ok, et après 1, 2, 3. Ok. Je continue, j'enchaîne hein, tranquillement.
Ok, après il nous faut un truc brillant lisse. Ah non, il est même pas brillant, il est comme ça. Ok. Un simple. Cette musique, je suis trop trop fan, les gars. Genre vraiment, je. Elle me fait un truc. Un truc très positif. Je la trouve incroyable. Un, et après il y a un coude, genre de coude brillant. Ah merde alors. Désolé, vous voyez ma grosse tête. Bah. Ah c'est ça. Ok. Combien de pages il reste à faire? Une trentaine, je crois. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va vite. Enfin, une quinzaine plutôt, pardon. Ok. Après le 2. Et que les 1. Tous d'affilée. Ok, il est chouette. Après, j'ai un truc noir de 2 ici. Un 4. C'est lui, je reconnais. Et un 4 gris. 4 gris au-dessus. Noir de 2 au-dessus. Bonjour tout le monde. Et on cale ça au bout. Ok, on retourne la pièce, on met le bidule blanc en dessous. Merci Elena, merci beaucoup. C'est gentil, merci pour le soutien. Et bienvenue du coup. Ok, après il y a un truc de 2 tout fin. Et une pince. Noir. Donc pince noire à côté vers l'extérieur. Truc pince de 2. Donc ça c'est ce qui sert à caler tout à l'heure. L'espèce de portière là où je sais pas trop ce que c'est. Bientôt 700 000, c'est fou. Ouais c'est abusé putain. J'ai vu ça tout à l'heure en lançant le live. Je crois qu'on est à 5 000, un truc comme ça. Mais gars, la musique ouais, elle est trop bien. J'ai mis un peu plus fort parce que vu que je me concentre pour pas faire de la merde avec les pièces, au moins vous avez un fond musical un peu sympa. Ok, donc là, faut retourner. Ok, ça c'est bon. Bientôt 2 ans. Petite La cale calave. grise. Elle est où? Putain, les pièces toutes petites, je sais pas pourquoi ils mettent pas tous au même endroit. Genre, il y a des pièces très similaires dans deux paquets différents, c'est trop con. Ah bah non, c'est pas con en fait. Ça simplifie le truc, en principe. Merci beaucoup, Elisa, merci. Ça me fait penser à la voix d'une de mes amies. Putain, une sacrée voix, ton amie. Ok. Et ça, à caler. Je comprends pas tout là. En dessous ici. Ok. On poursuit. Le live est trop doux, on dirait une sieste en été sous le soleil. Moi, j'aime trop les lives comme ça. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a moins de gens en général. Merci Ali pour le Prime. Mais je trouve que c'est cool ça, de temps en temps de se poser un peu, de faire un truc manuel, tu sais, qui te calme et tout. C'est pas désagréable au contraire. Moi j'en ai un peu besoin de temps en temps des moments comme ça. Que ce soit en live ou pas, tu vois. Mais avoir des moments de calme où je me recentre un peu sur moi-même, je fais un truc détendu et tout ça, ça fait du bien au cerveau. Ok, alors j'ai trouvé toutes les pièces en une seconde du coup. Ok. Tu comptes faire un autre logo par Lego par la suite? Ouais, mais plus tard. Je varie les plaisirs et je prends mon temps surtout pour pas me saouler entre guillemets à faire tout le temps pareil. Ça va jusqu'au bout ici, j'ai l'impression. J'écris mon mémoire avec le meilleur accompagnement. Cœur. Merci Emily, merci beaucoup. Ok, et après on fait tout vers l'extérieur ici. C'est quoi un mémoire, les gars? Genre ça consiste en quoi? C'est ouf, putain, j'en ai entendu parler 1 000 fois de ça. J'imagine quelqu'un qui raconte son année, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est exactement, genre le contenu d'un mémoire et tout, genre ce que c'est le principe du truc. Je sais même pas. Travail en fin de master. Ouais, ça je sais. Mais genre, ça consiste en quoi? C'est tu dois faire une étude d'un des sujets que t'as abordé pendant ton master.
Tu dois faire une synthèse de ce que tu as étudié tout au long de l'année. Enfin, c'est quoi le truc en gros? Écris le master sur un thème en particulier. Genre en mode. T'es en médecine et tu veux aller en. Tu veux être gastro-entérologue, n'importe quoi. Et on va te dire de faire un mémoire. Dans ton mémoire, tu peux parler du cancer du pancréas et de faire une étude autour du. D'un patient qui a un problème au pancréas. Genre, j'ai n'importe quoi, mais vous voyez, enfin, je vous dis ce qui me vient, quoi. Genre, c'est tu décides toi-même d'un problème que tu t'auto-poses un problème et tu essayes d'y répondre? C'est toi qui sois choisi le sujet de ton étude. En vrai, c'est un peu stylé quand même, par contre. Ça doit être plus facile de s'investir dans un truc où c'est toi qui as décidé, quand même. Ok, j'ai refait la pièce. Ah, j'ai pas choisi mon sujet. C'était horrible à faire. Ah, ça doit dépendre. Par exemple, je suis en espagnol, j'ai fait un mémoire sur la poésie espagnole basée sur un auteur précis avec une problématique. Du coup, c'est quoi, t'as pris un poète problématique? Genre un poète pédophile. Ma problématique, c'est que mon poète est pédophile. Et sinon, voilà ses poèmes. Oh, El Sol, la Puerta del Sol. Está magnifico. C'est ça ton truc? C'est une bonne idée en vrai. Alors voilà ma problématique. C'est un pédophile. Et voilà ses poèmes. En vrai, techniquement, t'as une problématique, hein. Ça peut marcher. Moi, je trouve que ça pouvait fonctionner, mon idée. Ça dépend de ta discipline. Je suis en didactique des langues. Je travaille sur l'identité linguistique. C'est quoi l'identité linguistique? Ça dépend vraiment des masters, de ce que j'ai fait. Il y a des propositions qui changent chaque année. Tu choisis ce qui te plaît. Ok, ok, c'est stylé en vrai. C'est quoi l'identité linguistique? Ça m'intrigue. Du coup, ça veut dire, là, tu fais mon profil psychologique dans ma façon de parler. Je suis comment? Et là, elle me dit, t'es un putain de détraqué et tout. Non, le plot twist, je le découvre en live, merde. Fais chier, fais chier. Trop relou, les gars. Putain, mais c'est où, ça? Ah, c'est là. Un chartier, je tirais merde. Regarde comment j'ai craché. Tout ça, c'est du crachat. Attends, je l'étale. Tu sais que je suis un chartier en vrai, c'est réel par contre, ça. C'est réel. Les dents qui fuient. Ça, c'est du vomi, ça, les gars. J'ai vomi, là. Bon, attendez. Vous me faites faire n'importe quoi. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Sinon, j'avance plus. Mais moi, franchement, quand le thème te plaît, c'est grave cool, mais il faut avoir le directeur qui te suit derrière. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais du coup, je suis un chartier. Bon, bah, ça me fait chier, cette histoire. Moi qui pensais être quelqu'un de distingué, j'avoue tomber un peu dénu. Vous savez que si je veux, je peux avoir un vocabulaire très soutenu, hein, j'imagine. Je pense que je pourrais ne pas être détecté comme un chartier. Mais attends, mais il manque une pièce, là. Oh, putain, je l'ai posé à l'envers. Oh, mazette. Attends. J'ai dit putain comme un chartier. Oh yes, j'ai enlevé sans tout casser. Magnifique. La vie que je mérite. Ok, donc trois petits trucs comme ça avec des pics. Enfin, des points. Sacre bleu. Non, je parle pas de jurer avec des trucs anciens. Je parle d'avoir un vocabulaire... genre j'ai un bon vocabulaire grâce à notamment ma mère qui est passionnée de langue française, amoureuse de langue française, de lecture, etc. Mais je vous jure, j'ai un vocabulaire pas si dégueu. Je fais pas honneur à ma mère et à l'éducation qu'elle s'est donné le mal de me donner, quoi. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Ça peut pas être parfait, hein. Hop, et ça, il y en a encore trois. À mettre, je crois, au-dessus. J'en suis pas certain. Comme ça. Et une petite pince au bout. C'est quoi, les gars, selon vous? Tiens, c'est intéressant, ça. Le truc le plus important que vos parents vous ont transmis dans votre éducation? Je suis curieux, en vrai. C'est une question bizarre.
Je suis même pas sûr que vous y êtes. Vous y ayez, pardon, déjà pensé. J'avoue être curieux. Mais c'est pas bon cette histoire là. La même couleur, ça et ça? Ah ouais. Bah. C'était comme ça l'autre côté? L'indépendance, la bienveillance, respect. Attends, parce que ça m'intéresse. L'alcoolisme. Ne pas considérer qu'avoir de l'argent suffit à se reposer sur ça. Ouais, il y a pas mal de valeurs importantes. Indépendance, tolérance, autonomie, argent. J'ai l'impression que c'est... Enfin, comment... la notion de l'argent, j'ai l'impression que c'est les trucs qui reviennent le plus. L'honnêteté. Tu sais, Kiro, comment... C'est... Bah, dans une... ça paraît paradoxal, dans une famille qui a été détruite par... par les infidélités de mon père, mais l'honnêteté, moi aussi, j'ai l'impression que j'ai été élevé dans l'honnêteté, pas sur tous les points visiblement, mais je sens que je suis quelqu'un de très honnête. Je sais pas si c'est mon éducation ou si c'est moi-même, quoi, on va dire. Enfin, si ça vient de moi ou si ça vient de mon éducation, mais je me sens honnête aussi, genre. C'est de l'être le plus possible. Merci Arène, merci beaucoup. Ils m'ont transmis mes frères, en vrai, j'ai appris plein de trucs en m'occupant d'eux. Ouais, bah ça, c'est sûr, ça te fait grandir plus vite, en vrai. Ouais, c'est vrai, t'es très transparent. Mais j'essaie de l'être. Honnêtement, j'essaie vraiment de l'être. Je trouve ça important. Enfin, après, en plus de ça, la transparence, c'est pas vraiment de l'honnêteté en soi. Enfin, pas toujours, parce que... Genre, techniquement, ma transparence que j'ai par rapport à l'argent, tu vois, typiquement, c'est un truc qui revient souvent. Bah... Je vous la dois pas, tu vois. Genre, j'ai aucune obligation de dire ce que rapporte tel ou tel truc, comment fonctionne tel ou tel truc. Enfin, c'est pas un truc que je dois, tu vois. Je parle plus de l'honnêteté au quotidien, genre. La question me fait trop réfléchir, j'ai pas de réponse. Je vais pas dormir ce soir à cause de toi. Il y a forcément un truc que tes parents t'ont inculqué qui te rend fier, genre. Et ou qui t'est utile, que tu t'es une valeur que tu... Que tu trouves importante. Genre, moi, j'ai l'impression que j'ai pas mal d'empathie, genre, si je devais répondre à la question. Genre, je dirais que mes parents, ils m'ont donné... Enfin, ils m'ont appris l'empathie, beaucoup. Et comment, après, ce que vous avez dit, là, les valeurs en rapport avec la thune et tout ça, ça, pour le coup, je pense que ça a été le cas de mon côté aussi. Parce que même si j'ai grandi dans une famille qui avait quand même... des moyens au-dessus de ce qui est courant, on va dire, enfin le plus courant en France, j'ai quand même une sacrée notion de l'argent, mais sûrement aussi du lié au fait que j'ai commencé à travailler très tôt, parce que mes parents voulaient que je travaille tôt. Merci Poulpi, merci beaucoup pour les 36 mois. Tellement important l'éducation sur la thune. En vrai, c'est important pour plein de trucs. Je trouve que c'est important déjà pour garder les pieds sur terre, et quand je dis garder les pieds sur terre, c'est surtout comprendre les gens qui vivent pas comme toi. Tu sais, genre... savoir que c'est pas parce que toi, tu vis dans un confort que du coup, tu dois mépriser et ne pas considérer les gens qui sont qui n'ont pas le confort que toi, tu as. Je trouve que cette valeur-là, elle est indispensable, tu vois. Genre, vraiment indispensable. Genre, c'est pas parce que t'es blindé, que tout le monde est blindé, que tout le monde a les facilités que t'as eues dans la vie, etc., tu vois. Et je trouve ça giga important de considérer ça, parce que du coup, ça pèse dans plein de trucs. Notamment ta façon de penser quand tu votes, etc., tu vois. Ça te permet d'avoir une vision un peu moins égoïste et de se dire que c'est pas parce que l'herbe elle est verte chez toi qu'elle est verte chez tout le monde, tu vois. Et genre ça, c'est vraiment un truc indispensable, je trouve. Enfin, hyper important pour la vie en communauté, on va dire. Genre, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Putain, je suis obligé de me mettre à plat. J'ai peur de tout casser sinon. Mais ça, c'est vraiment important, je trouve. Et c'est d'autant plus important, je trouve, que au-delà du fait que... Enfin, ça te permet déjà de comprendre les gens qui n'ont pas eu ta chance, on va dire. Et en plus de ça, indirectement, de respecter tes amis. Tu sais, genre, de pas avoir des réflexions qui soient déplacées par rapport à des gens de ton entourage qui n'ont pas les mêmes moyens que toi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un tout. Genre... C'est bon, j'ai réussi à clipser le merdier. Je trouve ça un tout.
et ça apporte du respect un petit peu et tout ça. Je sais pas, c'est hyper important, je trouve. Moi, ça, vraiment, c'est un truc où je mettrais un point d'honneur dans l'éducation de ma fille. Surtout que, en plus de ça, ma fille, elle va grandir dans l'opulence, quoi. Genre, là où mes parents étaient aisés, ma fille, elle va sûrement grandir avec un père qu'on peut considérer comme riche, tu vois. Et du coup, c'est giga, giga important, genre. Le tact, c'est tellement important. Moi, ça, j'avoue, j'en ai pas beaucoup. Enfin, je sais en avoir, mais je sais que j'ai tendance à dire un peu trop. Ça fait faux point négatif, mais je le vois vraiment négativement. Genre, avoir tendance à pas tourner autour du pot pour dire des trucs, et parfois, je sais que je peux blesser sans le vouloir, parce que je vais dire de façon un peu trop cash un truc qui me plaît pas, sans trop penser. Trop réfléchir aux répercussions. L'inquiet multimillionnaire. Bah, pas multimillionnaire, mais comment je sais que je gagne mieux ma vie que beaucoup de gens, quoi. Deux trucs là. Attendez, je me concentre juste pour prendre les bonnes pièces, parce que j'ai peur de faire de la merde là. Ça et ça. Mais ici. Après, il y a le petit truc bleu au-dessus. Genre, je trouve, hein, bref, tout ça pour dire, je trouve que c'est une valeur importante à transmettre, quoi. Mais merde. Mais attends, mais quoi? Pourquoi ça fait ça? Une couille, là, avec mon truc. Ah, c'est ça. Ben non. Attends. J'essaie de comprendre, mais j'avoue que je comprends pas trop, là. Si tu décales de 1, tu mets ça là. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai failli faire la même connerie que tout à l'heure. J'ai ce défaut aussi, j'essaie de travailler dessus, mais j'arrive pas à dire sans blesser des fois. Et il y a aucune méchanceté derrière. Ouais, moi non plus. En fait, le truc, moi, qui me fait chier... Enfin, qui me fait chier. C'est marrant, ouais, c'est marrant. Pas qui me fait chier, mais le problème que j'ai, souvent... Mais je pense, en vrai de vrai, que c'est un problème... Genre un défaut social, t'es... Je sais pas comment expliquer, mais en mode... T'as pas assez... Je sais pas si c'est un problème d'empathie ou... Non, je pense pas, mais... En gros... Parler sans réfléchir. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est en mode, moi... Je vais... dire un truc... Genre, admettons que quelqu'un me propose quelque chose que j'aime pas. Parfois... Et même si c'est un truc important pour lui, parfois, j'aurais pas le tact de lui dire que... Genre, si on me dit... Je sais pas comment expliquer. Genre, quelqu'un va me proposer un truc et je vais trouver que c'est de la merde. Je vais avoir tendance à lui dire que je trouve que c'est de la merde. Pour gagner du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve que c'est du temps perdu de mettre des formes sur tout, de faire des manières et tout ça. Mais alors que parfois, il faudrait en mettre pour pas blesser. La sincérité. Mais non, c'est pas de la sincérité, parce que du coup, ça me fait être un enculé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quelqu'un de sincère, c'est pas négatif. Alors que moi, le truc dont je vous parle là, c'est vraiment négatif. Genre, c'est pas bien, tu vois. C'est un truc à corriger. Genre, c'est pas. C'est pas un faux truc négatif que tu dis en entretien d'embauche, c'est que c'est vraiment chiant. Genre, ça m'arrive de blesser des gens ou de vexer des gens parce que je leur dis trop honnêtement ce que je pense de leurs idées ou de leurs trucs, tu vois. Et ça me fait passer pour un connard, tu vois. Alors que quand je le fais, j'ai pas l'impression d'être un connard. Mais pourtant, j'en suis un. Genre, je devrais pas agir comme ça, tu vois. Mais attends, mais il me manque un truc, là. Ah, il est là. Ça se travaille, j'imagine. Bah, je pense aussi. Ah, ça, c'était là. Passe au-dessus, en dessous. Ok. Aucun rapport, mais un sujet que je trouve trop intéressant, c'est le fait de vivre sans passion. Je suis dans ce cas et c'est grave ennuyant. J'ai pas d'objectif de vie ou autre, je suis la seule. En vrai, de vrai, comment? C'est peut-être jusqu'au jour où tu trouves... Après... En soi, t'es pas obligé d'avoir un truc qui te passionne pour trouver un sens à ta vie, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais eu trop de trucs qui me passionnent vraiment de fou, à part les jeux vidéo. Mais attends, mais merde, mais c'était où, ça? Ça, c'est sorti du truc. À part les jeux vidéo. Et ma fille, ça a vraiment été... genre, un sens à ma vie. Genre, et vraiment, je le pense, hein. Attends, peut-être que je pourrais faire un tour à ça pour que... Ça reste collé. Et ouais, c'est beaucoup mieux. Genre,
Tu peux ne pas avoir juste des trucs qui te plaisent et t'investir dedans gentil. Enfin, genre, c'est pas grave de pas avoir de vraies passions, tu vois. Ou de trucs où en mode tu vis pour ça. Mais moi, ma fille, ça a été vraiment une révélation, genre. Hop, hop et hop. Genre là où j'irais un peu sans but en allant tout droit, en essayant juste de faire mes petits streams et mes petits trucs. Là maintenant, j'ai clairement un but dans ma vie, tu vois. C'est que ma fille ne manque de rien, qu'elle ait l'éducation qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est ce genre de petits trucs. Je passe en mode construction sur Minecraft, je lurque un peu. À tout, Thomas. Hein? Et ça, il m'en faut 4 du coup. Après, la société veut que tu aies une passion. Il faudrait qu'elle veuille que tu aies un bécherel aussi, la société, si tu veux mon avis. Mais bref, à méditer, à bon entendeur. Et je suis pas trop d'accord en vrai de vrai, en plus. C'est plutôt toi qui veux et t'as l'impression que c'est indispensable, tu vois. Mais tu peux juste te complaire dans quelque chose sans être passionné et avoir une vie cool. Enfin, je pense que ça l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Attends, il me faut ça, fois 2, et 4 pinces à mettre au bout. Donc, une droite, et l'autre opposée, elle doit être tournée. Ah non, dans le même sens. J'aime plein de choses, mais pas au niveau de la passion. Moi, je sais pas. Moi, franchement, commençant à faire sans faire le susboule, j'ai vraiment passion stream. Hein. Avant ça, je suis pas sûr d'avoir des trucs qui me passionnaient vraiment de ouf. Hormis Dofus. Vraiment. Et c'est venu. Mais du coup, ça m'est venu tard, quoi. Je comprends pas où ça doit se mettre, ça. Ok, ça va là. Genre, ça m'est venu vraiment tard, hein. Le truc, j'ai commencé le stream à 24 ans. Donc, ça veut dire que techniquement, j'avais pas de truc qui me passionnait de ouf avant mes 24 ans. La mèche de tombeur. La mèche? Mes cheveux, tu parles ou tu parles de la mèche en plastique? Je sais pas de quoi tu parles. On passe des bons moments ici, c'est l'essentiel dans une passion. Moi, je trouve que être passionné de l'Inca, c'est un banger. Le mec a un ego surdimensionné. Ta mèche. Ah, mais c'est parce que vous deviez voir le bout de mon truc? Même pas. Je sais pas alors. Ah merde. Faut tourner le truc. Ok, c'est bon. C'est good. Franchement, les gars, ça commence à prendre une petite gueule. Hein. L'arrière de la voiture, elle est... Bah, elle est clean, quoi. C'est giga propre. Cette musique, j'en peux plus. Je te cache pas que moi non plus. Je vais l'enlever, attends. C'est quoi, j'enlève de la playlist, je te fais plaisir. C'est vrai qu'elle est chiante, cette musique. Merci, Jeff. Cœur. Je suis assez d'accord. Hop, c'est enlevé. Ok, et ok. Merci, Pupitech. Arrête, elle est trop bien. Mais en fait, dis-toi que Focus, elle tombe pas plus souvent que les autres. Hein. J'ai encore craché, putain, je vais devenir fou. Un truc gris. Avec deux trucs. C'est lui, l'Inca, le lama. Mais je te jure, moi, j'ai un problème de crash. Hein. Je fais que cracher. 1, 2, 3, 4, 5. Et deux petits merdiers ronds. Ça. Ok. Putain, mais je sais pas où la mettre. Plus ça va, plus j'ai pas de place, j'ai l'impression. Donc il faut empiler tout ça. X 5. La cale alpaga, je vais rename. Je vais rename, mais je sais pas pourquoi je crache autant. En vrai, vous savez que je passe ma vie à postillonner, genre je fais que ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que je parle trop vite ou j'en sais rien. Mais je suis à queue. Je suis à queue comme mec.
Je passe ma vie à postillonner, en live. En plus, dans la vraie vie, je postillonne jamais. Hein. Genre, ça m'arrive pas. C'est que en stream. Il doit avoir une raison, mais je sais pas laquelle est-ce. Donc ça, c'est bon. Et ça, j'en fous quoi, du coup? Je comprends pas. Ah si, tu le poses au-dessus. Ah, on dirait un genre de rayon... Genre c'est ça là que je viens de poser. C'est orientable. On dirait une entrée d'air. Je fais que parler en stream. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. C'est vrai aussi. Je passe ma vie à postillonner sur mes potes, c'est horrible. C'est une preuve d'amour. Faut que je relance Volvic. Il faut qu'il me responsorise, les gars, c'est trop incroyable. C'est trop bon. C'est vraiment trop trop bon, putain. Hop et hop. Volvic, ça date de fou. Ah, ils m'ont vraiment saoulé, genre. Ils m'ont vraiment saoulé. C'est, je sais pas, c'est trop relou. On était trop bien. Tout était parfait. Et comment? Et après, l'équipe, elle a changé. J'ai perdu ma copine. Et ça a été le temps qu'ils se réorganisent et tout ça. Bah, on s'est perdu de vue. Et après, les relances et tout, c'était une galère. Je sais pas, c'est trop dommage. Et mec, une pièce que j'ai pas là. Ah bah si. J'ai un pote qui fait que postillonner quand du coup quand on mange ensemble, je me mets jamais en face pour pas qu'il crache dans la bouffe. T'es fou quoi, c'est meilleur, c'est de l'assaisonnement gratuit. Donc ça c'est bon. Après il y a un truc transparent orange à mettre. Ah non, deux trucs transparents orange à mettre. Ici et ici. Deux carrés jaunes en coin. Je comprends pas du tout ce qu'on est en train de faire comme pièce. Je crois que c'est une batterie, mais je suis même pas sûr. Ok, deux coins jaunes. Et quatre espèces de petits coins comme ça. Ok, et en fait, tu fais un genre de cube, enfin de... Ok, bah c'est bon. Ok, putain, c'était... J'ai du mal à comprendre où ça va, là, ce truc. J'ai ça. Après, j'ai une espèce de pince jaune que je dois mettre à l'avant, ici. Et ensuite, deux espèces de petites cales jaunes. Le long de ça. C'est ouf, en vrai, l'enchevêtrement de pièces pour faire une... Enfin, la quantité de trucs pour faire un machin, genre, c'est abusé. Et là, il me faut un autocollant. L'autocollant numéro 3. Ça, c'est bon, ça m'inquiète plus, l'autocollant. C'est du plutonium, les amis. Qui sert au fonctionnement de la batterie... De la machine à remonter le temps. Vous serez content de l'apprendre. Et du coup, ça, il faut le mettre ici, centré. Tiens, je suis dégoûté, les gars. J'ai discuté aujourd'hui avec... Avec Cards Hunter. Pour... Attends, mais what? Et j'en fais quoi de ça, après? Ah, ça va, là. Et il galère de fou à... C'est le gars qui va me faire le truc, le sub-goal à 4000 euros, là. De cartes. Et il galère de fou à trouver des trucs en ce moment. Il y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'offres sympas qui valent le coup et tout ça. Ça me fait chier un peu. Je suis un peu dégoûté. Je comprends rien ce qu'il faut faire là. x2. Ah, comme ça. Ok. Tu comptes refaire du béton brutal? Ouais, semaine prochaine, on va essayer de faire un gros live dessus. Pour avancer dans le jeu. Ok, et là, il faut encore mettre des autocollants. Autocollant 2, autocollant 4. Le 4 à l'avant, le 2 à l'arrière. Donc comme ça. Attends, deux secondes, désolé, je me concentre un peu pour l'autocollant, j'ai pas envie de faire de la merde.
Ok, et lui, il va falloir bien l'aligner du coup. Avec le reste. Franchement, je m'en suis bien sorti là. Regardez. J'ai géré, non? C'est pas nickel? Je suis un pro. Magnifique, GG, merci la team. Merci, merci. Et là, du coup, il dit de le retourner. Petite partie en haut, et ça comme ça, du coup. Ok. Et ensuite, ça, il faut qu'on le clipse. Donc, j'ai ça comme ça. Ah, et après, du coup, tu peux ouvrir la batterie et voir les trucs à l'intérieur. Je sais pas si vous allez capter. C'est marrant en vrai ça. Et du coup tu le cales. Putain mais c'est trop stylé. Tu le cales sous le capot genre. Il y a un emplacement pour la batterie. Avec la petite truc qui doit être vers l'avant à 4. Comme ça. Regardez. Le souci du détail. Genre t'as ton capot. Bon là, je l'ai pas encore mais voilà. Après tu peux soulever et tu peux soulever ça pour voir la batterie à l'intérieur. Personne ne veut une batterie, mais non. Une batterie au plutonium dans une machine à remonter le temps? M'étonnerait qu'on en sache quelque chose, si tu veux mon avis. Ça, c'est très sympa quand même. Ok. Donc ça, c'est bon. Tellement de petits détails, c'est trop stylé. Ouais, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, ça... Il nous faut... Alors, attends. Ouais, on a plein de trucs, plein de pièces à prendre. Ça fois 1. Ça fois 2. Ça fois 1, ça fois 1, mais en fait faut tout prendre. 1, 2 petits bouts. Je crois que j'ai tout. Du coup, il me faut ça. Mettre mes deux angles au bout. L'un en face de l'autre. Ça ici. Désolé, je suis un peu hors de la caméra. Vu que c'est petit. J'essaie de faire attention. Et du coup, vu que c'est minutieux, j'ai envie de coller ma tête au truc pour bien voir ce que je fais. Ok. Et après, t'as deux trucs à mettre comme ça au milieu. C'est curieux, ça. Donc, comme ça et comme ça. Ok. Après, tu retournes, on dirait un skateboard. Mais putain, c'est l'overboard! C'est l'overboard, en fait, je suis trop con, j'avais pas fait gaffe. Et t'as un autocollant à mettre dessus. Et il y a marqué overboard, je suis trop bête, j'avais pas vu. Je réalisais pas en le faisant. Et là, 11. Et oui, même il s'est marqué dessus carrément. Marqué overboard, j'ai même pas vu. Hop, hop et hop. Bah oui, excuse-moi, j'avais pas vu. Hop. Ma petite overboard. Enfin, mon overboard plutôt. Qui est juste ici. Bien floqué. Et ça, du coup, il faut le poser. Ici. Et il est rangé à l'avant, dans le coffre. C'est trop stylé. C'est tellement cool. Et du coup, tu peux le prendre si tu veux. C'est trop stylé. Ça, c'est vraiment, vraiment un petit détail cool, je trouve. Ok, bon, bah du coup, mon overboard, il est rangé. Collage est très qualitatif, si je puis me permettre. Merci, merci. J'arrive pas à croire qu'ils aient appelé une planche à deux roues un overboard. On nous a arnaqué. C'est comme ça. Les amis. Ok, chat, j'ai une nouvelle. J'ai une nouvelle. Nous passons au... Dernier paquet, la team. Dernier paquet. Dernier sachet. Oui, 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 oui. Sachet numéro 11. Mais attends, mais là, ça veut dire que ça va prendre forme de fou, là. Il manque pas grand-chose. En plus, c'est un paquet avec des... Regardez, c'est trop stylé, il y a les roues et tout. Oh, putain.
Ok, je secoue bien pour m'assurer d'avoir rien loupé. Alors là, ça va être un bordel. Ça sent que c'est des grosses pièces. C'est qu'ils vont couvrir une grosse partie de la construction. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ok, oui. Normal qu'il reste des pièces à endroit sachet. Oui. Raquesse-moi si l'incage est flin. Il y a toujours un petit reste au cas où il manque ou quoi. Ou que tu perds une pièce, j'imagine, une petite pièce. Merci, le roux. Regarde, là, j'ai un truc avec toutes les pièces qui nous restent depuis le début de la construction. Quand cette musique est sortie, j'étais fou. J'étais amoureux et tout. Ok, alors donc là, on a besoin de pièces brillantes. Putain, alors là, là c'est retour casse départ, je déteste. Je sais même pas dans quoi ça va être. Là, j'ai deux pièces brillantes. Là-dedans, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Putain, ça va être là-dedans. C'est pas là. Mais attendez, mais quoi? Attends. J'ai deux pièces brillantes comme ça. Mais mec, mais c'est dans quoi? Ah non. Et comment je fais là? Mais les gars, mais y a pas là. Je dois avoir ça. Des pièces chromées. Comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ça là. Chromé. Je les vois pas. Bol du milieu. Non? Non, non, bol du milieu, il fait 2 cm en plus, je verrai direct. Et que c'est pas là non plus, ça va être là-dedans. Les gars, ça y est pas. Je comprends pas là. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, hein. Je vais fouiller en live. Avec ça, comme ça, vous voyez. Dans le bol rond, je les vois pas. Les gars, milieu. What? Et non. C'est pas là. Les gars, on cherche ça comme pièce, mais en argenté. Ok, c'est celle-là qu'on cherche. En argenté, il nous en faut 2. Je remonte le modèle sur le livre. Non, moi, je pense que c'est là-dedans et j'ai pas vu parce que c'est caché par des gros trucs. Attends, ça, il le faut. Donc, je vais le prendre déjà. T'as un autre paquet à ouvrir. Bah non. 11. Putain, j'aurais pu chercher longtemps. Il y a un autre paquet 11. Qui a dit t'as un autre paquet à ouvrir? Pot de fleurs, t'as quel âge? T'as quel âge, pot de fleurs? T'as quel âge parce que j'ai envie de te faire des singeries. Euh,
j'ai pas de récipient, du coup, fais chier. Je vais mettre là. Quand tu veux. Alors, attends, du coup, il me faut deux comme ça et deux comme ça. Un, deux. J'ai tout mis sur mon tapis de souris comme un malpropre. Un, deux, un, deux. Ok, c'est bon, j'ai tout. Il me reçoit un autre truc de 3. Ok, nice. Merci Carla, merci beaucoup. Bon, j'ai foutu le bordel, mais j'ai pas eu le choix. Alors, truc brillant. Au-dessus de ça. Et le truc comme ça. Qui tombe ici. Et après ça, il faut le mettre sur le côté de la voiture. Les deux côtés. Là. Je vous montrerai après, je pense, chat. Hein. Ok. Je fais les pièces, je les cale et je vous montre où elles sont. Parce que là, niveau espace, ça commence à être complicado sur le bureau. Ok, donc en gros, là, on vient de faire les barrettes ici, chat. Qui vont dans la continuité de ça. Bon, ça tombe pas très droit, mais ça va ici. Ok, après, il nous faut un énorme merdier. Mais oh là là, les pièces là, elles ont des formes qui vont être chiantes à trouver, je le sens. En plus, j'en ai partout sur mon bureau. Je sens que ça va être l'enfer. Ça, x2. Deux trucs de 2. Ici. Ok, un genre de d'escalier qui fait 2-2. Je suis foutu, les gars. Un truc qui fait 2-2 à l'envers. Ça. 2-2 à l'envers. Ici, une fois. Et un truc lisse, noir. Là, les gars, occupez-vous entre vous, papotez. Parce que je suis foutu. Lisse, noir, c'est ça. Genre, je vais forcément prendre du temps à fouiller mes trucs sans vous parler, là. Il y a trop. Truc noir avec une pince. Là. Un espèce de grand cadre noir. Ici. Et un merdier bleu. Je l'ai vu. Ok, j'ai tout. Blabla, voilà, c'est bien, chat. Oh, la musique, c'est quoi? Oh oui, j'ai envie de réécouter ce banger. J'ai envie de réécouter ce banger. C'est les souvenirs, maintenant. Ok. Le drop, on en rêve tous. Ok, nice. Ah merde, c'est pas celle-là. Ok, nice, c'est bon. Vraiment, j'adore cette musique, hein, c'est incroyable. Elle est trop bien, sérieux. Quel banger, vraiment, elle est trop trop bien, chat. On a, enfin, vraiment, c'est la petite pépite, quoi. Ça met trop bien.
Donc ça, ça va à l'arrière de la voiture. Dans un trou ici. Ça rentre tellement parfaitement. En gros, la pièce, on la met là. Oh! Ah ouais, on a créé... Regardez, on a fini l'arrière de la voiture. Là où il y a la plaque d'immatriculation et tout, on dirait. C'est trop, trop cool. C'est vraiment trop cool. Ok, on continue. Deux machins noirs bizarres. Ah, super, ça va bien m'aider. Jamais vu ça comme pièce. Ah non, je regarde pas le bon truc, quel couillon. Donc, un truc plat, lisse, noir. Bande noire lisse, 3 points. Et un petit truc coudé, 2 points. Ça. Ok, j'ai. Après. Ça, c'est bon. Après, une deuxième truc comme ça à mettre dans le cul du truc. C'est une singerie ton truc. On a presque fini. J'ai vraiment trop hâte de voir. Et là, il y a quatre espèces de trucs coudés comme ça. Ça rentre pas, ça, si. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si vous allez voir. C'est tellement petit, le truc, là. Alors là, pour le coup, je suis sceptique. Ça, ça va rentrer, là. Trois okay. Mois que je te donne mon prime, Linka. On va voir, hein. Tu le mérites, Linka. Merci, Mira. Linka, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le prime. Merci de me donner le prime. Ça fait très plaisir. Ok, si, en fait, ça rentre. Je pensais pas que ça allait rentrer. Je sais pas trop ce que c'est, la pièce qu'on est en train de faire. Quand je vois comme ça, j'ai du mal à imaginer où est-ce que ça va aller. T'as la qualité de la cam, les gars, on en parle ou pas? Regardez ce plan de fou. Le flou de bâtard qu'il y a sur les bras et tout. Genre, c'est incroyable, c'est trop beau. Ceux qui sont pas... appareil photo ici, ils vont s'en battre les couilles. Moi, putain, qu'est-ce que je la trouve folle, cette cam. J'adore. C'est trop beau. On voit tes ongles, quoi. Tu vois, toi, t'as pas compris, toi. Toi, t'as pas compris. Toi, tu comprends rien. T'es un couillon de la lune, comme on dit chez moi. Ok, ça, c'est comme ça. Après, il me faut... Un autre... Deux autres trucs comme ça. Ok, et une genre de barre grise lisse. Je sais plus où je l'ai eu, ça. Ah, là. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est jamais comme ça. Et les deux trucs comme ça, dans le dos. Ok, et ça, après, on le met de l'autre côté, ici. On dirait encore un truc moteur, je trouve, la pièce qu'on fait, là. Une de meilleures qualités de stream que je connaisse, je suis honnête. C'est gentil, c'est gentil. Je mets un point d'honneur là-dessus. J'aime trop. Ça, un. Une genre de plaque. Ça doit être elle, je pense. Un truc de deux coudés. Un coude de deux en hauteur. Putain, mais merde, où je vais trouver ça? Un coude de deux. Deux en hauteur. C'est ça. Ok. Une pièce avec deux ponts. Ok, nice. Alors, je prends ça. Je mets ça dedans, décalé de 1. J'ajoute ça à côté. Ça va, vous faites pas trop chier, même si vous voyez pas bien, chat. Oh, l'ancienne, cette musique. Celle-là, pareil, elle me rendait fou, cette musique, quand elle est sortie. C'était trop dingue. C'était trop dingo. Ok, je crois que c'est ça. Et après ça... Oh non, fallait le faire deux fois. Bon, et ben on est reparti. Alors, la barre... Les deux petits trucs... Combien de lives déjà sur cette construction? C'est le quatrième.
Quatrième live dessus. Quatrième et dernier, du coup, nos pronostics au début, c'était 4 lives, donc on était en plein dedans, quoi, pour finir. Je me ferais bien un Lego aussi, dommage que ce soit si cher. Bah, c'est cher, mais en vrai de vrai, franchement, et je dis vraiment pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé gratos et tout, mais vraiment, quand tu le montes, je trouve que tu comprends pourquoi ça vaut son prix. Enfin, pourquoi ça vaut ce que ça vaut, quoi. C'est quand même techniquement vachement bien foutu, genre il y a quand même un taf de fou, il y a un taf de fou de réflexion derrière, il y a un détail de fou aussi. Genre, tu payes pas pour rien, je trouve, honnêtement. C'est vraiment quali, ouais, voilà. Moi, honnêtement, je suis très content. Vraiment très très content. Ok. Et là, du coup, il nous refaut encore une barre lisse. Deux petits trucs comme on a vu là il y a 2 secondes. Donc j'en ai un là. Il doit m'en rester un quelque part. Je ne vois pas. Ok, il est là. Je ne vois pas. En fait, Lego, c'est ça qui est bien. C'est que même si tu vois pas un truc, il existe. C'est toi qui vois pas bien. C'est pas eux qui se sont trompés. Ça, c'est quand même rassurant. Ok. Je le fixe en face ensuite. J'aimerais tellement celui de la nuit étoilée de Van Gogh. J'avais demandé, mais il l'avait pas. Et du coup, comment j'en ai pris un autre de tableau, mais c'est stylé ça. C'est vraiment cool, j'aime bien aussi. Ok, et là, il nous faut un truc coudé de 2 encore. Un truc de 2 comme ça. Une planche lisse. Je sais pas trop comment appeler ça. Une planche lisse, un truc de 2. Ça, et un truc de 4. Les tableaux, je suis moins fan. Ben, j'ai jamais vu le rendu, du coup j'en ai pris un, je t'avoue, par curiosité, vu que j'avais la chance de pouvoir choper les trucs gratos. Bah, ben, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'essayer ça, 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 j'ai fait une liste des courses. Et je me suis dit, on verra si ça passe. Et ils m'ont validé tous les trucs, je fais, bon, bah, let's go. Destroyer Star Wars, je peux pleurer pour ça. Faut que celui-là, il vaut pas, genre, la peau du cul de fou. Je crois que c'est méga cher, tu feras en live. Ouais, je le ferai en live, Coco, le tableau. Je le ferai en stream. Si, tu sais combien ça vaut ou pas, mais je crois que c'est genre hors de prix. C'est le truc, ça doit être le truc. Si c'est ce que j'ai en tête, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils avaient, McFly et Carito, dans leur studio. Et si c'est ça, ouais, c'est énorme. Et vous voyez ça, l'autre fois, on s'était dit, ouais, ça fait pas fini. C'est moins... la sortie, on disait que c'était pas très clean. Et en fait, c'est parce que c'était pas fini. Il y a ça qui va dessus. Ah ouais, tout de suite, ça va avoir une autre gueule, là. C'est genre 800 balles, là, d'accord. Hop, et là, j'ai fait l'arrière. Vous allez voir sur la cam du haut. Je peux vous montrer là aussi, peut-être. Là, c'est quand même beaucoup plus stylé, les sorties d'échappement. Enfin, je sais pas trop si on peut appeler ça un échappement. Les sorties de réacteur, elles sont beaucoup plus jolies. Est-ce que t'as vu la vidéo de Neoxy sur l'histoire de Lego? Je savais pas toutes les galères qu'ils ont eu. Non, pas du tout, je regarde pas du tout les vidéos de Neoxy, honnêtement. Hein? Mais pourquoi il y a ça là? Choisis ta préférée et après tu choisis ta. Tu vas à la page. Ah putain! Merde, alors attendez. Moi, je crois que j'ai déjà mon choix. Première, ok, avec les pneus. Ça, c'est la une. Deux, avec les roues allongées. Et trois, avec les jantes. Des jantes comme ça. Je sais pas ce que c'est, les jantes originales. Moi, ma préférée. Ah, mais j'avais pas vu le 2. Regardez le moteur de la 1. Enfin, le moteur, ou je sais pas trop ce que c'est, le truc. Ah ouais, la 2, il y a un truc. La 1, elle a une antenne de fou. C'est selon les films. Moi, je pense que... Déjà, elle, honnêtement, j'élimine. Avec le truc sur le capot, ça me plaît pas. Ça se joue entre la 1 et la 2. Moi, je kiffe... J'aime vraiment beaucoup les roues penchées comme ça. Je crois que je vais prendre la première avec la grande antenne et tout, les gars.
Tous les jours, la 2. Je crois que je préfère la 1, moi. En fait, à la base, je voulais faire la 2 avec les roues penchées. Mais je pensais que c'était moi qui choisissais si je penchais les roues ou pas, quoi. Je suis emmerdé, là. Parce que la 1, je trouve ça, je la trouve plus stylée. Genre, ça fait plus voiture, tu sais. Et celle-là... celle-là, elle est cool aussi. Putain, fait chier. En fait, je préfère la 1, mais j'aime bien les roues penchées de la... les roues allongées de la 2. Toi qui choisis, de toute façon. En fait, ce serait bien de pouvoir mélanger. En fait, moi, j'ai envie d'avoir la 1 avec les roues allongées. Mister Fusion, c'est ça? Je crois que je vais faire la 1, chat. Je pense que je vais faire la 1. Parce que le truc qui sort là de la 2, ça, j'aime pas trop. Comment? Je sais pas, je trouve pas ça très joli. L'autre, c'est la plus nature, on va dire. Et du coup, il y a moins d'artifices bizarres. La 2, il y a l'espèce de coupole là, et ça fait assez plastique, je trouve. Et l'autre, il y a le truc plastique plus le truc plastique devant. Alors que celle-là, elle est juste pure. C'est genre, c'est la voiture pure. Fais la 1 avec la roue de la 2, des deux. Bah, je sais pas. Je vais... Non, je vais faire la 1, je pense. Je vais faire la 1. Ouais, le truc pour transformer les déchets en carburant, ça fait bof. Ouais, j'aime pas trop. Au pire, je fais la 1, rendu à l'étape des roues, va à la 2. La 1 avec les roues de la 2. Je fais la 1 et je vois. Faut que j'aille page 242, donc c'est celle-ci. Je fais elle parce qu'avec l'antenne et tout, je trouve ça pète. Je pense que, en fait, je pense qu'en déco, celle qui rendra le mieux, ça sera celle avec les roues. Même si je trouve qu'esthétiquement, c'est plus sympa d'avoir les roues allongées. Je pense que vu qu'en déco, tu poses ta voiture, d'après moi, ça fait plus joli si elle est posée sur ses roues. Je pense. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Je sais même pas si j'ai vu tous les films. Je viens de capter que j'ai zéro souvenir du 3. Moi, j'ai aucun souvenir de aucune, alors que je pense que j'ai tout vu. En déco, la 1 fait pas Lego. Ouais, je trouve que la 1, elle est mieux pour de la déco. Mon but, c'est d'avoir un truc déco, donc voilà. Alors, il me faut un ça et un ça. Ok. Je colle ça à ça. Ok. Une fois que j'ai ça. Et ouais, du coup, il y a plein de pièces que j'ai là, mais qui me serviront pas du tout, en fait. 3, c'est le Far West. Putain, je me rappelle plus. En fait, je me rappelle plus de rien, les gars. Sur Amazon, t'as un socle sympa pour la 2. Ah ouais? Ah, attends. Attends, j'ai envie d'aller voir au cas où. Je tape quoi? Socle DeLorean Lego? Ouais, je suis un peu mitigé. Ça fait assez... ça fait beaucoup de plastique, je trouve. Enfin, si tu me dis, si tu parles de ça... Je trouve que ça fait beaucoup de plastique. Attends, vous voyez pas trop avec la luminosité de l'écran. Je trouve que ça fait très très plastique. Genre, j'aime mieux à choisir... à choisir, j'aime mieux ça. Regarde, hop. À choisir, je préfère ça. Espèce de boîte dans laquelle c'est. Par contre, là, je vois ça, c'est la 2 et c'est stylé, hein. En vrai, archi stylé avec le socle. C'est pas lui que j'ai. Ah merde, attends, je vais regarder. Oh, ils vendent des kits de LED compatibles pour mettre dans ta voiture Lego pour faire les lumières et tout, c'est incroyable. C'est trop stylé. Putain, celui-là, j'avais hésité aussi. Attendez, je vais vous montrer un truc. Hop. Regardez la voiture de Ghostbuster, comment elle est incroyable. Je la trouve trop stylée. Elle est folle, elle. Elle est trop belle. Trop stylée, ouais, vraiment, elle est incroyable.
Mais je le vois pas, l'autre socle. Par contre, là, de voir la troisième en présentation, franchement, j'aime bien la 3. Genre, regardez la 3, là. Avec le système derrière et le truc sur le capot. Ça rend bien, quand même, en vrai, non? Ça rend pas mal, je trouve. Bof. Ok, ok. Bon. Vas-y, de toute façon, je vais faire... je fais celle de base et on voit. De toute façon, au pire, je pense qu'il n'y a rien d'irréversible. Hein. Mais ouais, j'aime bien quand même. Moi, je la trouve stylée, la troisième. Finalement. Plus stylée que ce que je pensais. Ça, il nous faut quatre trucs comme ça. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok. Deux trucs comme ça. De 1. Et 4 trucs de 2. Ils sont là. 1, 2, 3 et 4. Ok. Et là, du coup, il faut juste faire le tour de tout, je pense. Tu prends un, ça, tu le mets en dessous. Je viens de regarder. Il est plus dispo. Désolé, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas grave, foulé. Dans un premier temps, ça ira très bien. 1. Et après, il faut enchaîner. Enfin, en mettre 2 de plus au-dessus. Et après tu fermes avec ça. Et après on fait pareil pour l'autre. Donc un petit avec le truc en dessous, on a dit. Et après on met les deux autres au-dessus, plus la petite pièce. Désolé, je suis un peu en bas de l'écran pour vous, mais faire les trucs minutieux au milieu de à 50 mètres de moi, c'est pas très pratique en vrai. Ça sera à améliorer dans mon futur setup activité manuelle. Ok. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Il faut positionner ça comme ça vers l'extérieur. Ok. Ça, pareil, vers l'extérieur. Là, ça avance. On a presque fini, là. On est vraiment sur la dernière ligne droite. En fait, j'avais pas conscience quand on regardait ce qui nous restait comme nombre de pages, qu'il y avait plusieurs alternatives de voitures. J'avais pas du tout capté. Ok. Et après, il nous faut deux espèces de gros blocs gris. Mais c'est ça. Qu'il va falloir mettre au-dessus. Avec les trous vers l'intérieur, donc comme ça. C'est quoi le numéro du 7 ? Tu veux que je regarde sur la boîte ? Si c'est ça la question ? Attends. 10 300, si on parle du même truc. Si on parle du même truc, c'est 10 300. Donc ça, c'est bon. Ok, et ça, il faut le mettre ici, au bout de ça. Je vous montre après. Hein. Ok, donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé la partie capot, vous voyez. C'est tellement bien foutu, les gars. J'ai trop hâte de voir fini. Trop, trop hâte. Là, on touche au but, hein, vraiment. Donc là, je vais faire les côtés, j'imagine, de ça. Let's go. Donc, il nous faut une grande barre. Je sais pas si vous m'entendez bien. Attends, je vais me mettre là, plutôt. De toute façon, je peux mettre les mains devant moi, là, je pense. Sans être trop gêné. Deux grandes barres. Donc, comme ça. Deux barres comme ça. Et si... En fait, ça me casse les couilles. Désolé, ça aura pas tenu longtemps. Six trucs coudés. Donc ça, je crois. 2, 3, 4, 5. Et 6. Ok. Donc là, c'est là. Il faut mettre ça en dessous de ça. Deux fois, j'imagine. Et après, t'as soit 3 trucs dessus. Cette musique, elle donne envie d'être dans un bar branché et de boire des cocktails à 16 euros. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, elle m'évoque ça un peu. J'ai envie d'être dans un bar branché et boire des cocktails à 16 balles avec dedans du fruit de la passion. Et ce genre de truc. Fruit de la passion, vanille, rhum vanille, fruit de la passion.
Putain, il y a une période de ma vie où je sortais avec des potes, un truc qui s'appelle la piscine Molitor. Ça coûte la peau du cul. On y allait de temps en temps. Ça nous coûtait 16 euros le cocktail. C'était les meilleurs cocktails de ma vie. J'étais petit. C'était notre plaisir. On sortait et on se faisait genre une fois dans la semaine un cocktail à 16 balles. Les gars, les cocktails, ils étaient fous. C'était de la folie furieuse. En fait, on n'avait rien à foutre dans cet univers. On y était allé une fois par hasard. On avait goûté à ce que c'était les cocktails de luxe. Et après, on n'arrivait plus à s'en passer. À chaque fois qu'on allait boire des cocktails ailleurs, on se disait « Putain, c'est de la merde et tout. » Comparé à la piscine Molitor. Et du coup, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, on allait à la piscine Molitor prendre un cocktail à 16 balles. Et on se disait « Putain, c'est trop cher et tout, mais c'est trop bon. » On avait goûté au luxe, c'était foutu. C'était la fin. La fin. Hop. C'était à l'époque où on était prolétaires, mais c'était magnifique. Hop là. Capot terminé, chat. C'est trop stylé. C'est trop stylé, chat. GG Capot, merci, merci. Cocktail du champagne. Je sais plus ce que c'était. Le cocktail que je prenais, je me rappelle plus du nom, les gars, mais c'était un rhum infusé à la vanille avec du fruit de la passion frais, du sirop de fruit de la passion, et il y avait un autre truc, genre du jus d'ananas ou je sais pas quoi. C'était trop simple, mais c'était tellement efficace. C'était délicieux, sa mère. C'était incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie, chat. Jamais j'oublierai. Donc là, il me faut une plaque comme ça. Je crois. Ouais. Il faut mettre le truc 10 dessus. Outtime, Californie. Simplification, c'était trop bon. Mais après, on en revient à ce que je vous disais l'autre fois, c'est que moi, j'arrive pas à apprécier les cocktails, quoi. Genre, je démembrais le truc en 12 secondes. Et après, j'avais qu'une envie, c'était de remettre 12 euros. Je sais pas savourer un cocktail. Genre, ça m'est impossible. Je fous droit tout, c'est trop bon. Je suis en mode, ah, c'est trop bon. Je peux plus arrêter. Et je bois tout. Ok, alors attendez. Là, je vais essayer de faire gaffe. Les gars, j'ai super mal centré l'autocollant. Heureusement qu'il est à l'arrière. Et que personne ne saura jamais à part vous. Et ça rentre pas. Comment je fais là? Attendez, chat. Attendez, je me mets pas sous la cam, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi sur ma dernière ligne droite, là. Let's go! Get ça! Et ouais, les mecs. Ok, on enchaîne. J'ai hâte de faire les roues. J'ai envie de mettre des roues à ma voiture, à mon carrosse, là. Je veux mettre des roues. C'est trop demandé? J'ai l'impression que oui. Ok, un truc coudé x 2. Bah, deux trucs coudés, quoi, du coup. Deux de machins qui brillent, des grilles. Un truc avec une petite coucouille qui dépasse. Alors, c'est quoi, ça? Bah, c'est quoi, ce truc? Désolé pour ma tête au milieu. Mais c'est quoi, cette pièce? Ah, c'est ça. Un truc avec une couille. 2, 2, 1. Une grille noire. Et une barre noire de 4. Ok, let's go. On prend le pied, on met en dessous la grille. La barre de 4 dans la longueur. L'autre pied en face. Avec l'autre grille en face. Bisous, Melon. Ok. Après ça, l'autre grille, on le met sur ça. Mais là, c'est vraiment des petits détails, quoi. Genre ça, je dois le mettre à l'arrière. Le long des tubes. Donc ici. Ok.
Et après, l'espèce de petite grille, je vais la mettre ici. Ok, nice. Là, je sens qu'on est en train de fignoler, là. Ça a de la gueule, t'inquiète, ça va être beau. Tu t'es trompé de grille. Ah non? Non, je me suis pas trompé de grille. Il veut quoi, lui, Gobou? On va t'attraper, tu m'as fait stresser. Ok, ça. Un. Ça. Un. Un énorme truc noir. Ça, un. C'est quoi ça? Ah, il doit avoir un genre de ventilateur quelque part. Ah, il est là. Ventilateur. Un bidule orange. Là. Une barre. Une longue barre un peu marron. On dirait un titre. Une longue barre un peu marron. Et putain, mais c'est où ça? Les gars, il y a que des trucs que je vois pas. Ah, ici. Je vais m'en sortir. Et un rond marron. Un rond marron. À ne pas confondre avec un rond marin. Un rond marin. Pas mal, non, la team? RT ou quoi? Ok. Non, mais ça fait plaisir, hein, de toute façon, la team mode d'être soutenu comme ça. Ok. Putain, c'est vraiment minutieux là. Ok. Ok. On a fait une turbine. Et ça va au-dessus, derrière. Ici. Ok, easy. Pour le moment, je suis, c'est tout droit. Je vous montre après. Là, il me faut deux tubes noirs. Ils sont ici. Deux petits picots. Deux petits picots et deux petits trucs. Brillants ou pas? Non, pas brillants. J'adore celle-là, vraiment. Merci Pauline, merci Nishi. L'incamon. Ok, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Ok, après, je mets ça là-dedans. Ok, et ça, du coup, il faut le mettre. Alors attendez. Je vais prendre la voiture pour faire en même temps parce que ça va être compliqué sinon. Ici. Et ici. Ok, et ça va ici. Quoi? Bah ça va pas là, connard. Ah bah non, c'est là en fait. My bad. My bad, Lego. C'est impossible à mettre là. Ok. Ok, fausse alerte. J'ai réussi. Hop, on la remet là-bas. Et j'enchaîne. Fini aujourd'hui, tu penses? Ah bah oui, sûr. Il reste rien là. Là, je fais les roues, je pense, après, hein. Ah ben non, là je fais la canne à pêche, là au-dessus. L'ego ne se trompe jamais, l'incajam. Réel, Léna. Donc ça, il me faut une canne, un truc comme ça, un. Ah non, deux trucs comme ça, bon parfait, il me faut les deux. Une espèce de grande tige, fois deux, une grande tige noire. Un, deux. Et une truc coudée, ça. Mais c'est quoi ça, l'antenne là? Elle sert à quoi cette antenne, chat? Genre, quel est le but de cette antenne?
On dirait un truc pour mettre de l'électricité dans les trams. Regarde le film, j'ai aucun souvenir, j'ai regardé mais j'étais un bébé quoi. Je m'en rappelle pas du tout les gars. Ok. Ok. Let's go, enfin! Enfin le moment tant attendu des roues, chat. Alors attendez, parce que là du coup il me faut les pneus. Depuis le temps qu'on les attend, ceux-là, pas mécontents. Hop là! Les dimanches comme ça, avec blabla musique, ça donne envie de travailler en même temps sur mes dossiers révision. C'est le but au roux. Alors, 4 enjoliveur. Donc 1, 2, 3 et 4. 4 jantes brillantes. Et ouais, nous, on a pris le bling bling, nous. On n'a pas pris les jantes blanches. Et 4 espèces de picots comme ça là. 1, 2, 3 et 4. Ok, il nous manque des trucs. Non, je crois pas. Alors, il faut du coup prendre un pneu, mettre la jante à l'intérieur. Avec l'inscription Lego. Ah bah c'est des deux côtés. Ok, bon. Ok, parfait. C'est vraiment quali, les gars, sérieux. Y a pas de sens, non. En fait, les deux pneus sont pareils des deux côtés. Enfin, les deux côtés du pneu, les deux tranches de pneus, je sais pas comment on dit, sont exactement pareils. Faut juste caler bien, tu vois, pour que le truc soit bien. Bah, tu vois, pas comme ça, typiquement. Tu fais bouger. Voilà, là, c'est bien. J'ai l'impression d'être garagiste un petit peu. T'as laissé les Gundam? Ouais, 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 j'en fais. Et j'en ai un à faire, j'en ai un super beau à faire. En live d'ailleurs. Mais franchement, je crois que je me suis attaqué à un trop gros truc. Et qu'on va être dans la merde. Je vais te montrer ce que je dois faire. Parce que j'ai pris un perfect grade à faire en live. Mais autant dire que je vais le commencer en live et je le finirai jamais en live, je le finirai tout seul, c'est impossible. Sinon, il va me falloir 30 heures ou 40 heures de live. Dessus, on va perdre tout le monde. Mais ouais, j'ai un perfect grade à montrer en tout cas. 1 sur 100. Perfect Grade, c'est 1 sur 60, je crois, non? Si j'ai pas de conneries. Attends, je vais regarder. Ok, c'est bon, j'ai toutes mes roues. Elles sont là. Il est où? Ah, mais merde, il est rangé. Il est rangé dans le carton, je te montre pas. Regarde le message d'Emma. Connecté. Pour capter l'énergie fournie par la foudre tombant sur l'horloge de la mairie, il tire un câble connecté à l'horloge et la DeLorean s'accroche au câble avec ce système. Au bon moment, bien sûr. Merci bien, merci bien. Comment va Lanka? Ça va, toi et toi, Angel? Ça, c'est bon, j'ai ma roue. Mais je comprends pas, là. Ah si, ok. Donc comme ça, je vais les mettre dans le bon sens. Et du coup, ça, il faut que ça rentre par ici. Et ouais, parce que ça doit être ça, le côté où tu mets l'enjoliveur, en fait, je pense. Ok, ok. Et oui, 1,60, viens de voir, bah bon courage, ouais. Je suis pas dans la merde, hein. J'avais déjà fait un master grade, j'ai galéré de zinzin. Mais alors un perfect grade, je pense que je suis juste mort. Ok, et après tu cales la jante en fait par-dessus, comme ça. Ok, chat, on touche au but. On touche au but. Ok, et là on va mettre les roues. Vous ne rêvez pas. Mais est-ce qu'elles peuvent s'allonger quand même?
incroyable! Regardez! Oh, c'est trop satisfaisant, la vache! Attendez, attendez! Ah, c'est satisfaisant, sa mère! Elle commence à être pas mal, hein. Il me reste plus qu'un petit, des petits détails. Mec, avec les câbles électriques sur les côtés et tout, ça rend trop bien. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé, les gars. Et ça, franchement, ça pèse son poids. Oh, mais elle roule! Je pensais que ça allait être statique, elle roule. J'adore, c'est trop stylé. Alors, attends. J'ai un autocollant à coller avec marqué Back to the Future. Mais pourquoi j'ai ça à coller? Attends, je dois prendre ça et ça. Ah, c'est page 283. C'est le présentoir, ouais. Donc ça veut dire qu'elle est finie. Page 283, j'y suis. Oh, je vois l'autre là, elle est pourrie comparée à la mienne. Un gros caca. Ok, ça. Ça fois 1. Collé ici. Brillant ici. Re un autre truc là. Après, tu mets ça ici. Et après, tu colles l'autocollant 1, Back to the Future, devant. Il est énorme, je vais essayer de pas le foirer. Non ! Lâche ! Putain ! C'est quoi? Désolé les gars. Là, celui-là, j'ai envie d'être précis. Putain, c'est dur. Ok, nice. Je tiens et ça y va. Chat. Ah, il y a encore des trucs à mettre en dessous. Mais c'est pas possible, mais ça s'arrête quand? Mais j'ai sorti d'où les pièces, là? Mais c'est quoi, ça, chat? Je comprends pas. Ah, putain, ils vont là, incroyable. Les gars, c'est trop stylé. C'est le présentoir. Mais ouais, mais je sais pas où je le mets, ça, chat. Genre, je les ai pas, les pièces, là. Je me dis de mettre... Attends. De retourner la voiture. Ah, ok. Donc ça, je les enlève et je les place ailleurs. Donc ça, c'était juste en attendant, en gros, c'est ça, l'idée? C'est ça, le truc? Genre, il y a 4 trucs en dessous, ça, là. Je les enlève. Et je vais les mettre ici. Pour que ça devienne un présentoir, en gros, c'est ça, le truc? Je comprends pas trop. Ah oui, du coup, ça va. Mais non, mais mec, mais à quoi ça sert? Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt, chat. J'avoue que là, je comprends pas. Mais je le fais, hein, mais je comprends pas. Ok.
Merci Dieu pour chaque jour de plus. Ok. Ok, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est fait. Et je tourne pour voir. Ah, ok. C'est pour quand je mets les roues à plat, elles volent. J'ai tout compris, chat. Messieurs, dames. Notre magnifique DeLorean avec le beau présentoir, regardez. Très très stylé. Et la voiture, je vous la remontre. C'est trop cool les gars, je suis super content. Je trouve le rendu incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu les petits détails, je vais la présenter comme ça. Avec les portières levées. Les sièges à l'intérieur. Attends, j'essaie de vous montrer, mais c'est un peu galère. Ok. Tu peux aussi soulever ça, le capot. Avec dedans, il y a l'overboard, la batterie, tout ça. C'est trop stylé, les gars. Elle est magnifique. Franchement, je suis super content. Vraiment super content. Et du coup... Attends, je vous ai même pas montré le principal. Et du coup, j'ai les cales en dessous. Et là, elle tient et on dirait qu'elle vole. Je peux pas vous montrer ça, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Attends, je vais essayer de vous faire une photo pour vous montrer comment elle tient. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en gros, on dirait qu'elle flotte du coup. C'est canon sa mère, hein! C'est trop stylé! Je vais la laisser comme ça. Elle va finir dans ton décor, ouais, sûr. Ah, c'est trop stylé! Parce que là, du coup, elle flotte! C'est incroyable, je suis trop content, les gars. Trop content. Je vais pas speedrun après, hein, je pense. 1h30, c'est pas assez. D'après moi, je vais couper là et je vais profiter de ma famille tranquille. Et on va se faire une petite semaine tranquillou. Je vais mettre en story Insta Omega, là, je vais la ramener dans la cuisine. Je vais prendre une microfibre, je vais la frotter partout, la cleaner, et je vais lui trouver une petite place en attendant, peut-être même derrière là-bas, dégager des trucs que j'ai depuis longtemps. Ça va être sympa. Enfin bref. Bon bah, chat, j'espère que vous avez kiffé. Du coup, c'est un live court, on a fait 2h40 tranquillou. Profite de tes petites femmes, je vais profiter de mes petites femmes. Je suis trop content du résultat du truc, c'est trop beau les gars. Je suis vraiment trop saucé. Ça va tuer dans le décor, putain. Et en plus, on a le beau petit... comment ? On a le truc qui s'éclaire, quoi. Attends, je sais pas si ça va se voir. C'est trop classe. Franchement, c'est trop classe. Bon, bref. Chat, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous êtes bien reposés. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci au modo d'avoir modéré. C'est la sentinelle, mais qu'elle s'en va. Bon week-end! Vite comme un écho qui se tait. Mais son héritage est fidèle et vrai. Rejoignez sa communauté pour toujours l'immortaliser. Sous l'écran scintillant, merci 13, merci poulet. L'un qu'à s'éloigner, notre monde s'effondre lentement. Ses souris, ses vies.
vie comme un écho qui s'éteint. Mais son héritage, je reste fidèle et vrai. Rejoignez sa communauté pour toujours l'immortaliser. Des moments partagés, rien qu'à notre acquis, notre empire.